Direct. Est-ce qu'il y a marqué que vous êtes en direct? Eh Alors aujourd'hui c'est un soir un petit peu particulier parce que c'est Nicolas, c'est mon dernier fils, il a 10 ans. C'est Nicolas qui filme. Alors vous voyez que c'est déjà plus bas dans son rythme parce qu'il est un peu Allez. plus petit et il stresse parce qu'il a jamais fait ça. En tout cas, bienvenue en live et ce soir on va faire des acras de morue. Alors vous continuez à me dire d'où vous venez, comment vous allez, qu'est-ce que vous mangez ce soir et puis les acras de morue c'est vraiment le plat qu'on retrouve dans les Antilles, qu'on retrouve. Voilà. La morue, c'est quoi? C'est du cabillaud. Le cabillaud, c'est un poisson donc classique. Et on l'a salé. Et là, je l'ai dessalé. Je l'ai même acheté dessalé. D'accord? Donc, c'est des petits morceaux de morue, un petit peu dessalé. Quel zoom, Nicolas. Regardez. En tout cas, continuez. Continuez à me dire d'où vous venez, d'où ils viennent ce soir, Nicolas. Alors, on a des gens d'Avignon, Ah. de Marseille. Ouais. Ouais. Alors, si t'arrives pas à dire, c'est pas grave, tu dis. Non, non, non. De Vaucluse. Du Vaucluse, ouais. Prends large, prends large. Voilà, d'où? D'où ils viennent? De Lyon. De Lyon, ouais, très bien. Et ben voilà, très bien. Et ils vont arriver, tu vas voir, de gentiment, d'accord? Alors, hop, regardez bien, hop. De l'eau bouillante, frémissante. Et je mets ma morue dessalée. Tac. On la cuire gentiment. Je vais t'en rajouter un peu d'ailleurs. Attends, bouge pas, elle reste là-bas. Tac. Voilà, ça c'est vraiment pratique, hein. C'est de la morue dessalée. Alors comment on fait la morue? La morue, c'est donc c'est la morue elle est salée. Et il faut simplement en large, tu reprends en large, voilà. Hein, voilà, super. Et donc, il faut vraiment soit pour la dessaler, il faut la faire tremper dans l'eau un petit peu longtemps. D'accord? Donc là, je vais la pocher, je vais la cuire tout bêtement et on va préparer l'appareil à acras. Ok? Alors, d'où ils viennent ce soir, Nicolas, les gens? Alors, de Toulouse, Toulouse, ouais. j'ai vu de Belgique, Ouais. de... J'arrive même pas à dire, du Maroc, Du Maroc, de ok. Nantes, De Nantes. de Montpellier, De Montpellier, ouais. et de Émilion, ou Saint-Émilion, De Saint-Émilion, ouais. Saint-Émilion. de... Gra... J'arrive De vraiment pas à Grasse. lire, excusez-moi, hein. De Tahiti, De Tahiti, ça fait rêver quand de même. Marseille. Ouais. Marseille encore. Bon, alors attends, on va. Regarde, je suis en train d'acheter le persil. D'accord? Et aussi, je vais acheter un petit oignon rouge. D'accord? Regardez. Pas mal de persil. Moi j'aime bien quand les recettes sont un petit peu gourmandes. Je vais mettre ça au compost. Hop. Voilà. Et je vais ciseler un oignon rouge. Alors ciseler. J'ai mon petit couteau. Est-ce qu'il est mon petit couteau? Il est là. Hop. Voilà. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous mangez ce soir? D'accord? C'est ton plat préféré, hein, ça tombe bien. Ouais. Ouais. Alors, regarde, on cisèle l'oignon. Viens, approche-toi, viens voir. Tu pleures pas toi quand tu coupes les oignons? Ah ben non, alors, non, je pleure pas parce que je reste pas dessus, tu vois. Je m'écarte un peu. De Carcassonne, tiens, il y a des gens de Carcassonne, de Bretagne, de Alors, continuez à nous laisser des Thaïlande. commentaires. Partagez la vidéo, partagez le live, s'il vous plaît. Et puis, laissez. Tu sais, Nicolas? Je reçois plein de photos de gens qui m'envoient les photos qu'ils font à la maison, etc. Et ça fait super plaisir, quoi. Tu vois, tu reçois des gens, c'est juste génial, quoi. Tu vois. Ok? Regarde. Ici, je mets dans mon saladier le persil, les oignons rouges, voilà. Et on va voir si la morue est cuite. D'accord? Hop. Tout ça, on fait un petit coup de propre. Voilà. Donc continuez à nous dire d'où vous venez. Hier le live il a très très bien marché. On est toujours surpris parce que même après le confinement. Alors, Bretagne, Ouais. le Portugal, Ouais. il y a des gens aussi qui mangent du couscous, Voilà, c'est bon ça. du poulet, Ouais. encore la fameuse pizza. La fameuse J'ai vu pizza. aussi un cordon, Ah, c'est sympa ça. Ouais. salade de pommes de terre avec œufs durs et... Je sais vraiment pas dire. Un Un Pokéball, un Pokéball, Pokéball, oui, ouais. bah c'est ce que t'avais fait Ouais, toi. Omelette aux asperges. ouais. Ouais. Pardon, pause. Hein?
tarte citron meringuée. Ouais, ça va, on se fait plaisir, hein. Bon, ça cuit gentiment, ok. Continuez à liker la page, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous à la page Instagram Chef Damien, c'est vraiment super. Il y a des gens aussi en dessert qui font un fondu. Une fondue. Une fondue. Ouais. Fondue au chocolat peut-être. Ouais, je sais pas, mais je pense. Allez, hop, là je suis à feu un petit peu, on est en live, il faut aller un petit peu vite. Regarde, j'ai mis mes oignons rouges, pas mal de piment. Non, parce que la craie, il faut que ce soit un petit peu relevé, d'accord. On va mettre un petit peu de curcuma, ça c'est pour ma, c'est ma recette ça. C'est pour rajouter un petit peu de couleur, tu vois, ici. Voilà, et je vais préparer de l'ail haché. Pendant que ça cuit là, je vais faire un petit peu d'ail haché, d'accord. La craie, il faut que ce soit bien relevé, d'accord. Alors, voilà. Il y a des gens aussi qui vont faire un barbecue, très bonne des idée. Lentilles saucisses, ouais. Des nems faits maison, des asperges mousselines à l'orange. Mousseline à l'orange, ouais, une sauce mousseline à l'orange. La personne qui avait dit un fondu, c'est fondu au fromage à Genève. À Genève, oh là là, la honte. La honte. Aussi, j'avais vu passer des sushis, ouais. un couscous à l'algérienne. Ouais, très bien. Saumon trio de riz aux carottes aux poireaux. Trio de riz carrément. Il y a des gens qui aussi te remercient pour ces recettes. Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup. En tout cas c'est vraiment rigolo, c'est super sympa. Alors regardez, oignon rouge, persil plat, curcuma, piment, ail râpé, je râpe mon ail avec ma rame magique. C'est une rame microplane, c'est vraiment super bien ça. Ça permet de faire un super boulot. Alors en tout cas, continuez à nous laisser des commentaires. Partagez la vidéo, vraiment ça nous fait super plaisir. Moi je la partage sur ma page Facebook Chef Damien, bien évidemment. Et est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez repris le boulot? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez le moral? Nous le restaurant sera encore un peu compliqué, ouais, j'espère qu'on va y arriver un jour. Là, ça se calme, le corona, donc ça, c'est cool. Dans le monde entier, là, on espère que ça, qu'il ne reviendra pas, cette cochonnerie. D'accord. Est-ce qu'il y a des commentaires, Nicolas? Y a des gens qui disent que la sauce caramel était super bonne. Ouais. Alors, les gens, moules frites, ouais. Soupe chinoise, tarte abricot. Chef Damien, sans piment, ce n'est pas Chef Damien. Ouais. Ah oui. Un boudin noir et écrasé. Et un... J'avais pas le temps de lire, yes. Tu peux remonter si tu as des commentaires. Ah oui. Ouais. Ouais, avec le doigt. Ok, viens voir Nicolas. Sushi maison et salade César. Hop, regarde. On vient voir ici, là. Et on égoutte la morue. D'accord. On égoutte. Hein. Et hop. On revient ici. D'accord. Voilà, fais des mouvements bien tranquilles. Là. Dommage, ça bug un peu, mais c'est pas grave. Désolé. Ça bug un tout petit peu, ça va. Elle suit quand même. Bonjour de Normandie. Bonjour. Alors, regarde, hop, on y va. Reste un petit peu en plan large, s'il te plaît. Voilà. Regarde, j'ai mes oignons, mon persil plat, mon ail, mon curcuma, mon piment, d'accord, mon ail haché. Je rajoute ma morue bien égouttée, d'accord, dessalée. Alors, est-ce que c'est possible d'utiliser un autre poisson? Bien sûr, alors oui, bien sûr. En fait, on n'est pas obligé d'utiliser la morue, vous pouvez utiliser un poisson blanc, sans problème, d'accord. Ah oui, bien sûr, ouais. Le poisson le moins cher possible, hein, vous embêtez pas, ok. Regardez, j'émiette la morue. Là, je vous dis pas. Hein. Ouh. Ah ouais. Hein. J'aime bien, ça sent bon. Ouais, t'aimes bien l'ail, toi. Hein. Ok, regardez. J'ai mis de la morue. Ouais, je pleure. Montre quand je pleure. Ah, oh, je pleure, là. Avec l'oignon, là. L'ail, là, c'est horrible. Le combo. Ok, tac. Et regardez, ici, voilà, j'ai évité ma morue. Et je vais mettre à peu près le même poids de farine. Il faut pas mal de farine. Ok. Ici. Et je vais rajouter 2 œufs. Moi, je sais toujours pas casser les œufs. Là. Et mon petit secret,
c'est la levure chimique. Regardez, je mets une pincée de levure chimique. On a une petite pincée de levure chimique qui va m'aider à tout ça. Les acras sans piment, c'est pas des acras. Ben oui, on est d'accord. Hein. D'accord. Ici. Et là, je vais rajouter un petit peu d'eau ou de lait. D'accord. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Hop, ici. Vous voyez, rajoute un petit peu d'eau. Hop. On va faire une pâte bien homogène. Regardez, clac. J'aime bien le curcuma, vous voyez, ça permet de. Regardez, clac. Là, on travaille un petit peu vigoureux. Là. Hop. Ou alors des acras de légumes aussi. On pourrait, bien sûr. Ouais. Je goûte. Je goûte. Ça, c'est pas des acras. Normalement, oui, c'est dans des petites boules. Non, c'est dans les acras. Attends. Bon, non, un piment, c'est bien. D'accord. Ici, je t'explique, Nicolas. Nicolas, il est pressé. D'accord. Et regarde. Ici, je prends deux cuillères et je vais faire des petites boules comme ça. Et voilà. Est-ce qu'on peut cuire les acras au four et non pas à la friture? Ah, c'est pas facile. Non, parce qu'il faut quand même faut que ça frie un peu, d'accord. Donc le mieux, c'est, si vous n'avez pas de comme ça, comme je fais, vous faites à la poêle. Vous pouvez les faire à la poêle, d'accord. Regardez, tac. C'est beau, hein. Ça donne trop envie. Ah, tu vas goûter. Ah non, il y a de la. Si, ah non, on dit pas. Non, il y a de la fumée. Rien du tout. Ça gâche. La beau plan. Hein. Je suis un caméraman, moi. Hop, tu vois. C'est tout con à faire. Ils sont plus irréguliers que ce que tu achètes à tout frais, tu vois. Tout prêt. Mais tu vois. Tu vois, c'est tout bête. Hein. Viens voir ici. Et voilà. On va faire un plan comme ça. Voilà. Ici, je prends ma quantité d'acras que j'aime. Hop. Non, je ne prends pas la tête. Hein. Je fais ça. Hop. Et après, je vais sur la friteuse. Clac. Alors, hop, bouge pas, mets-toi un petit peu en plan large. Et là, les acras en Guadeloupe, on aime trop. Ah, ben oui, hein. Guadeloupe, Martinique, c'est un peu la base, quoi. Hein, regarde, viens voir. Tu vois, ça te plaît? Ça, l'apéro, c'est trop bon, hein. Bah, c'est vraiment super bon. Ça sent super bon. Et Phil, ah oui, c'est vrai. Oh, t'es pas à la maison là. Ah non. Cette bonne odeur. Bon, ça. En tout cas, est-ce qu'il y a des commentaires, Nicolas? Alors, des acras de morue avec une bonne salade. Ben ouais, ça fait un bon petit repas le soir. Ouais, on est d'accord. On mange beaucoup au Portugal aussi. C'est vrai. Très bonne remarque. Merci pour toutes ces recettes, encore une fois. Mais merci à vous, hein. Surtout. C'est un plaisir. On pourra retrouver les ingrédients. Oui, alors il faut vous abonner à ma page Instagram Chef Damien et je vais mettre la recette. Je vais faire une jolie photo. Je vais vous mettre la recette, d'accord. Il faut une huile un petit peu chaude pour colorer. Vous voyez, je suis en train d'augmenter un petit peu ma. Il y a quelqu'un qui dit que ça serait moins croustillant si ça serait au four. Exactement, c'est la bonne remarque. C'est exactement ça. Ça sera toujours moins croustillant si c'est un peu au four. Et puis, c'est un cobaye aujourd'hui pour goûter. Il n'y a pas de courgettes, donc c'est bon, il n'y a pas d'asperges, donc tu peux y aller. C'est encore moi le cobaye. Cette fois-ci, le caméraman, ce sera. Le cobaye. Quoi? Le cuisinier? Non, le caméraman, c'est le cobaye. Ah, mais oui. Mais là, le cuistot devient le caméraman, imagine donc. Exactement. Vous allez rendre, par contre. Alors, là, tu montres une dernière fois les petits acras. Vas-y, viens là, ici. Voilà, et on va les cuire au fur et à mesure, tranquillement. Il faut un feu un petit peu vif pour les colorer. Je reprends la caméra. Allez. Tu passes de l'autre côté. Voilà, hop. Et là, c'est Nicolas qui a filmé le live. Comment? Bah, avec les doigts. Hein. Bravo Nicolas, t'as. C'est ça, c'est chaud. Ouais, c'est croustillant ou pas? Attends. Ah, c'est chaud. Ah, vas-y. Oh, c'est chaud. La recette, oui, elle arrive. La recette, elle va arriver sur ma page Instagram. Vas-y. C'est chaud, mais c'est bon. C'est chaud, mais c'est bon. Est-ce que ça te pique pas trop? Non, ça va. Ça va? Ça va.
Alors, Maroc, on m'a dit qu'il y a une variante des acras. Bah oui, sûrement. Les beignets, c'est mondial, hein. D'accord. Bon, tu valides ou pas? Génial, hein. Et on boit quoi avec? Bon. Qu'est-ce que tu vas boire avec? Petite limonade? Ah ouais, une petite limonade, hein, ça fait plaisir. Ça fait plaisir? C'est langage jeune. En tout cas, tu fais le petit mot. Vas-y. Là. Vas-y. Le mot de la fin. Ouais. Oui, c'est pas assez doré, je suis d'accord. Hein. Yolène, on va les dorer plus, d'accord? C'est quoi le mot de la fin? Ben, tu dis salut à tous et à bientôt. Et j'espère que ça vous a plu. Vas-y. Et bon appétit. Ouais, vas-y, dis-le. Salut à tous et merci pour cette recette. Et je vous dis. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Cette fois-ci, le deuxième live, là, je tournerai. À le prochain. Si les gens le veulent. Hein. Si vous voulez que ce soit Nicolas qui filme le prochain live, vous votez oui. Ok. Ciao, à bientôt. Merci.